Yep, tout le monde, et bienvenue pour l'épisode d'Arcarian's Crise. Épisode de je ne sais plus quoi. Alors, c'est possible que ça résonne un peu parce qu'on est en plein déménagement. Déménagement, non, déménagement de meubles pour en avoir une nouvelle armoire de mon côté, donc ça risquerait de résonner. Alors, concernant l'épisode qu'on a actuellement, avec Itzan, on est parti vers le Nether. Et du coup, on a chopé un Solar 4 dans le Nether, à un endroit précis qu'ils avaient dit justement dans la quête Up Skyblock. Celle-ci, The Surprise Motherfucker. Justement, ici, ça a fait qu'on a pu découvrir qu'en fait, on avait un Solar Panel numéro 4. Donc, du coup, comme il n'y en a qu'un. Et j'ai autorisé du coup que tout le monde puisse en avoir un, donc je l'ai dupliqué pour que tout le monde en ait un. Alors, Ethan est en train de s'agrandir tranquillement, il est en train de faire les nouveaux piliers pour la baraque. Moi, je vais en faire autant ici également, hein, de mon côté, hein, donc vous inquiétez pas. Et en plus, il s'est foiré. Non, il s'est pas foiré, on va le garder exprès ça. Donc ici je devrais faire pareil du coup. Donc ça c'est correct. Puis ça on le garde au milieu. Donc ça c'est bien. Bon enfin bref. Du coup, alors il s'est passé pas mal de choses. Pas mal limite. Hein. J'ai fait de la lave automatiquement via de la cobble. Hein, donc que vous mettez ici avec la lave en dessous et ça vous fait cuire jusqu'à 8 seaux de lave. Donc ça c'est parfait. Je me suis fait Tinker qui est en train de s'améliorer avec principalement pas mal de choses dedans. Il faut dire ce qui est. J'ai fait des assemblages. Je me suis fait une pioche en silver. Pourquoi le silver? Ça permet de miner de l'obsidienne. Donc ça, c'est cool. Ouais, si tu veux. J'ai fait une Lumber Axe et j'ai fait une Silt. Oui, une Silt. Ça permet justement d'enlever tous les feuillages du 3x3 et ça peut justement massacrer des mobs dans un rayon de 3x3. Du coup, on va couper un peu de bois parce que j'en ai besoin de ce bois. Pouf! Yahoo! Hop, en plus ça fait 2 levels d'XP. Vous voyez, on pète ça. Hein. Hop, tranquille. Donc c'est bien du 3 par 3. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Hop, donc ça, on peut l'enlever du coup. Oui. Tac. Hop, hop. Et puis hop, voilà. Donc du coup, on a plein de pousses qu'on peut facilement replanter, ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis nous avons tellement de pousses à côté qu'on pourrait faire de la terre avec. Ceci étant dit, voilà, c'est fait. Donc j'ai déjà plus d'un stack et demi de bûches supplémentaires. Donc ce qui est quand même assez avantageux, il faut dire ce qui est. Donc, par la suite, j'ai fait également ça là. L'artichoc, je l'ai fait du coup, donc ça il y en a toujours. Je vais me faire une pioche qui s'auto-repair parce que ça, je voudrais bien la garder pour level up à fond. Voilà, comme ça elle va se level up toute seule. Je peux la mettre là parce que ça fait justement des saplings pour faire de la terre. Hop, ça continue, tac. Donc, il en montrait un, je crois, un seul et ça devrait le faire. Là où il y a de la terre, mais je suis pas sûr que je vais en avoir besoin. Pas forcément besoin, je vais en avoir un ou pas. Je vais peut-être pas en avoir en fait. Donc on va utiliser de la canne à sucre, ça marche aussi. Tuc, tuc, tuc. Voilà, c'est parfait. Du coup, ça, on peut le foutre dans le void. Hop. Du coup, dans Tinker, je l'ai amélioré, hein, naturellement, j'ai beaucoup amélioré. Je suis en train de faire le troisième étage. Tranquillement, donc il y a tout ce qu'il faut en bas. Je vais commencer à faire le minerai automatique parce que j'ai besoin de minerai. Hein. Même si j'ai des aides de droite et gauche, il va falloir que je me fasse un petit peu mon choix. Donc, ça, c'est des larges coffres.
C'est du 24 par 13. Donc on le voit pas forcément parce que je suis pas en 1080p exactement. Donc c'est pour ça. Alors, attendez, je reviens, je vais juste me mettre en 1080 pour que vous voyez le coffre directement. Voilà, donc, hop, et ici vous voyez le 24 x 13, donc c'est du 24 en longueur sur 13 de hauteur. Donc ce qui veut dire quand même c'est vraiment impressionnant. Donc du coup j'ai fait quasiment tous les minerais là que j'ai besoin pour l'instant. Il va falloir faire justement, donc je disais re, oui les touches des fois ça craint un peu. Alors du coup, hop, parce que le F11 en fait il est au-dessus de ma barre retour quand on appuie sur justement le clavier. C'est pour ça que j'ai un petit peu fait ça. Et bah frappe, ça a sauté. Du coup, alors, on devait faire des energy cables. Parce que bah parce qu'il en faut bien. On peut faire les leads comme on peut faire les Arduino. Sachant qu'on a de l'Invar, on va passer directement à la version au-dessus. Parce que celui-là il sort du 256. Et lui il sort du 200. Quoique. Ah oui, mais 200. Il faut passer au-dessus. Obligatoire. Après, il y a 8000. Hein, donc, ça, c'est plus gros. Au-dessus de 8000, du coup, il y a ceci qu'il faut mettre en cryotérium. Et c'est de l'infini RF. Donc, on va peut-être éviter tout de suite. Hein. Et après, il y a bien sûr les 32 000. Hein, naturellement, les résonnants de celle-là. Qu'on fait justement les 32 000 et justement pour éviter de ça, on fait avec l'électrum Ardennes que vous mettez cryotherium, ça fait de l'infini. Les tuyaux sont super jolis par contre, hein. Donc ça c'est pas trop un souci. En fonction bien sûr de la vitesse et autres, je pense leur mettre. Oh, je pense leur mettre justement une énergie, une Heatstone ou une Ardennes, sachant que c'est juste de l'invar après. Donc ça, c'est pas trop un problème. Hop, énergie celle. Du coup, on va commencer un petit peu. Énergie. Flux dot. Oui, du coup, il me faut cela. Donc, il me faut des leads. Sachant qu'il me s'en fait 6, il faut 6 redstone, 2 leads et du verre. J'ai pas de redstone. Ah, déjà, ça commence super bien. J'ai absolument pas de redstone. Donc, c'est de la dust. Et on a 13% de chance de l'obtenir. Sinon, il y a Botania, mais je l'ai pas encore. Et ou sinon, il y a justement ça là. Alors, c'est la graine que je veux faire à la fin. Mais voyez, c'est un croisement qu'il faut. Et il faut donner ça en fait à la plante pour qu'on obtienne ceci. Ça, c'est des graines en fait. C'est une graine de. Comment? De. Bah comme comment ah de Magical Crops, mais on peut obtenir autre chose. Et ça c'est Underium Seed, ça c'est Emma Emerald, et ça c'est Cuprum. Ah, ça me dit quelque chose quoi. Bon, en tout cas voilà, il va donner quand même pas mal de choses. Puis on a 150% de chance d'obtenir ceci. Ok. Ouais, je pense que ça c'est cher quand même pour obtenir ça. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, on va prendre de la dust. La dust. Alors, Redix, mon cher Redix, aurais-tu du gravier pour faire ceci? Bah c'est cool, merci. De la dust et de la redstone, hein. Ouais, bah lui il a pas ce qu'il faut. Puis je vais pas forcément trop piquer non plus, hein. Tout à fait normal. Donc au début bah c'est assez chiant en fait au début, mais c'est pas très grave hein. Il faut bien farmer pour avoir tout ça. Tuc. Tac 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 et tac, voilà. Et du coup bah ça me fait du sable qu'on doit ensuite passer dans le sieve pour obtenir ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'en fait il a du mal à réagir par rapport au hammer en diams. Oui. Heureusement qu'il y a les automatiques sieves hein, quand même. Automatique hammer, je veux dire.
Oui. Voilà, donc du coup j'en ai obtenu un stack. Ou sinon, il y a la version super simple qui est celle-ci. Vous pétez ça, vous mettez ça, et vous faites ça. Putain, ça remplit tellement vite. What? En même temps, Solar Panel, c'est pas que, mais... Ah oui, ça génère 256 et ça... Ah, ça exporte 2048! Oh! Ah oui, bah tu m'étonnes que c'est full. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est full. Bah attendez, on va l'accélérer un peu le coco parce que... C'est pas que... Mais il va pas tout faire tout seul non plus. On va l'aider un peu. Tu. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, bien sûr, tout ça se fera automatiquement par la suite, hein. C'est juste pour l'aider. Ça, je vais le faire au sol, du coup. Voilà. Non, c'est ça. Tuc, tuc et tuc. Voilà, 63, c'est parfait, plus celle-ci. Alors, du coup, comme c'est le hammer, on va foutre ça. En plus, ça génère, il y a 4 millions de stockage. Et on va passer un sieve dedans. Donc ça, c'est l'énergie qui ne va pas dedans. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dedans. Donc du coup, on va le foutre dessus. Ah, c'était juste en fait buggy en fait. Ok, très bien. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est buggy en fait. Donc c'est pas trop un problème. Et du coup, il garde la charge qui est dedans. Putain, ça charge tellement vite en fait. Et du coup, on va attendre que justement le stack de dust se fasse. Et puis je vais faire ça. Je vais peut-être rajouter des. Comment des. C'est X. X. Atri. Non. Astris. C'est bien X, hein, oui. Voilà, on va rajouter des speeds. Oh putain, ça peut cher. Pyrotherium. Oula. Oula. Oula, 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 ça flambe, ça flambe, ça flambe. C'est pas très bon ça. Merde, 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 merde. Voilà. On coupe le bois. On coupe le bois. C'était pas prévu. On coupe tout. En fait, c'est des pousses qu'on poussait là-dessus et du coup, ça a flambé. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est cool. Donc, du coup, je vais faire ça et puis je reviens. Et religion. Donc, alors, on va commencer notre première leadstone. Flux. Et on va passer une version au-dessus qui est de foutre deux invars, de foutre ceci et de foutre de la redstone. Bien sûr, il m'en manque un tout petit peu pour passer au level suivant. Donc, du coup. Bah, j'attends que ça se fasse tranquillement. J'avais dit que j'allais faire les speeds, sauf quand j'ai vu ce qu'il fallait, j'ai attendu un petit peu parce que c'est un peu cher et on viendra ça plus tard. Alors, oui, pour information, ceux qui veulent faire de la Skystone en dust en version Skystone normale de justement du mode d'Applied. C'est tout simplement, c'est de foutre un... évidemment. C'est de foutre... Non, non, ça je peux pas. Bah attends, ça je te jette. J'aurais pas dû le jeter. C'est tout simplement... Alors ça je vais le mettre là-bas. Faudrait me foutre un void d'eau. Tac. Tout simplement, c'est que vous prenez ceci, vous foutez ça. Attention, ça va burn. Hop. Et vous jetez. Voilà, vous jetez en fait, vous faites un clic droit dessus pour obtenir une Skystone en version lave. Hop, attention, ça burn.
les droits. Et voilà, vous avez votre Skystone. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et ensuite, vous faites cuire. Et ça vous donne votre magnifique Skystone bloc. Comme ceci. Vous pouvez la faire comme ça avec l'AME contrôleur, ainsi de suite. Flux Energy Connection. Hein, donc, c'est bien AME Glass Fiber qu'il faut faire. Donc, ça, c'est pas trop un souci. Voilà. Hop, je l'ai mis là-bas, ça en fait 4. Du coup, ça, j'en ai pas trop besoin. Donc, je vais le rajouter là. Donc, j'en ai déjà un stack. Hein. Donc, je peux en faire beaucoup, du coup. Ça, j'en ai pas assez. Du coup, il me faut du gravel. Hop, donc, ouais, bah, ça devrait le faire. On va passer au hammer automatique. 52 là, 52 là. Voilà, tout se fait tranquillement. Du coup, on va pouvoir commencer à avancer un petit peu dans les quêtes. Alors, il y a la version celle-ci, la Angry Dolls. Voilà, justement, qu'on va faire. Angry Dolls. Hop, c'est des Blaze Powder. C'est de la Redstone. C'est une Precious Dolls. Donc, ça, c'est facile à faire, c'est pas trop un souci. Et Nether Wart. Et ça, bah, ça fait obtenir en fait une. Comment? Ça permet de faire spawner des blazes. Alors, il nous faut de la Nether Wart, de la Redstone, de la Glowstone. Qui n'est pas d'ailleurs trop un souci. Glow. Glow. Hop. Blaze Powder. Blaze Powder. J'en ai 14, donc c'est parfait. Ça en fait 4, j'ai juste besoin d'une glowstone, voilà. Il va falloir qu'on fasse également quelque chose qui est la soul sand. La soul sand, il faut en faire. Soul sand, voilà. Ceci se fait via les abeilles, se fait ou ça, ou comme ça, comme ça, ou de la corruption à fusion. Donc c'est du sable dans un baril d'eau, mais autour il lui faut quelque chose d'autre. Il nous faut du coup du mycélium. Pour le mycélium, c'est juste une grâce à là-dedans, mais comme on ne veut pas l'utiliser dans ceci, moiteur qu'on pourrait faire éventuellement. C'est juste des seeds, pas trop un souci. Mais on peut l'obtenir autrement. Alors, comment on peut l'obtenir? C'est en faisant des anciens spores. Anciens spores. Est-ce que je l'ai? Ancien sport. Ah, j'ai ceci, mais il me faudrait quelque chose d'autre pour retenir un seul send. De la heat sand de Natura. Je pense qu'on va aller chercher ce qu'il faut. On va chercher justement ce qu'il faut pour justement obtenir cette soul sand facilement, sans passer par un craft normal. Donc du coup, je vous retrouve une fois qu'on est dans le Nether. Ah bah. Ah bah, j'ai rien dit. Oui! Ah d'accord, on retourne ici. Putain, on était à 1000 blocs et on retourne là. Du coup, bah. Du coup, Nether, voilà. Il me faut de la heat sand qui se trouve. C'est con. C'est pas du quartz que je veux, c'est pas de ceci. On va juste prendre ça, ça nous sert de. Alors c'est du cobalt. Est-ce que le silver ça marche? Non. Je pourrais pas l'harvest. Le quartz je peux, ça c'est pas trop un souci. Voilà, ça je peux pas. Hop. What? Ah oui, silver, voilà. Oui, le gaz, c'est cool. Tu sais vachement bien tirer. Ça, c'est du lead. Nous avons pas besoin de ça. Me faut pas de l'ardite. Ça, il m'en faut pas. Copper, j'en ai pas besoin. Coco, le gaz. Oui. Ah ouais. Hop, dégage-toi. Oh, un nitor. Oh, cool. Un sulfure plutôt. Un nitor. Ça, c'est de la lave qui hiberne. Donc, du coup.
Mais oui. Allez, on va te renvoyer les bouboules, hein. Mais oui. Genre, je l'ai pas touché. Genre, je l'ai pas touché. Genre, je l'ai pas touché. Bon, commence à me saouler. Oh merde. Viens là, toi. Voilà, dans ta face de cul. En plus, j'ai des larmes de ghast. C'est magnifique. C'est quoi en dessous? Ah, mais c'est ce qu'on cherche en dessous. Oh, c'est quoi ça? Ça a l'air du diamant. Est-ce que c'est un peu trop haut par contre? On va bien voir. C'est assez haut, mais c'est pas non plus très haut. Alors ça, c'est du diamond ore qu'on peut pas obtenir maintenant. Nous avons du coup de la soul sand qu'on va récolter. Putain, me casse les couilles, lui. Soul sand, soul sand, soul sand. On va en récolter un peu de la soul sand. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah oui, par contre, c'est vachement dur à casser ça. 15, 16 et 17. Pourquoi 17? Parce que. Même 18, parce qu'on va modifier les graines. Oh putain, casse les couilles celle-là. On a encore une autre dans le coin qui veut se fighter. Hein, viens là toi. Ouah oui. Voilà. Du coup, il va falloir qu'on remonte là-haut. Et bah du coup, on va remonter. Oui. On va récolter plein de netherracks. Voilà. Et on va remonter du coup en mode bourrin. Salut. Du coup, bah, on était par là. Voilà. Coucou les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. SLT. Bah ça on peut jeter. Le home il est par là-bas. Le corps je vais pas le récolter maintenant. Glowstone je vais peut-être en récupérer. Voilà, comme ça j'en aurai d'avance. C'est parfait. Le corps je vais pas le récolter du coup. Ça non plus. Le home il se trouve là-bas, donc on descend. Ah, ça c'est du diamond. Maninium. Ah oui, d'accord, je peux vraiment pas le récupérer comme ça. Hop, et ben on le récupère comme ça. Sulfure, ça je vais le récolter. Pourquoi? Parce que justement je vais en avoir besoin dans pas trop longtemps. Oui. Ah bah non, ça pique pas. Du coup, on rentre à la maison. Nous sommes chez nous. Ah, j'ai de la bonne mills. What? Pourquoi j'ai de la bonne mills? Pourquoi j'ai ça? Oot. En fait, on dirait les saplings en fait du début. Enfin, je vais pas cracher dessus, mais si, je jette tout en fait. Mais non, normalement ça devrait pas. C'est chelou. Ah, Pikmin. Du coup, alors, où s'en sont là-dedans? Voilà, nous en sommes là. Donc du coup, je vais remettre ça. Celui-là, je vais le remettre là. Du coup, la dirt, je vais la mettre là avec le sulfure. Nous avons ça. Nous avons la glowstone que nous mettons là, les larmes de gaz que nous mettons là, la soul sun qu'on en a, il nous faut une glowstone de plus, la gunpowder on s'en fout, le nitre, le sulfure plutôt, on le met n'importe où, j'en sais rien, ici par exemple. La soul sun, je vais en garder deux, même trois, je vais le foutre là. On va chercher des crops. Hop, 8. Oui, bah oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi.
va chercher de la redstone. Ah merde, c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut le refaire. Hop, faut le refaire comme ça, d'accord. Du coup, oui, bah oui, ça m'a pas donné du coup les bonnes choses. Ça m'a pas donné les bonnes choses, donc du coup, on jette et on jette. On va faire du coup les crops, on va refaire une table de craft tant qu'à faire. Voilà, comme ça, je vais faire en deuxième ici. Pif, pif et pif. Alors, du coup, on va prendre la Soul Sand, qu'on va prendre également la Netherwart. Voilà, nous allons mettre ça ici. Ça, c'est auto repair, donc on fout ça là. Soul Sand, nous n'avons pas besoin du coup d'eau, donc on va faire ça à la bonne vieille méthode. Tac, tac, tac. On fout ça, on fout ça. Et on fout la Netherwart, qu'on fait bien sûr pousser avec de l'eau, c'est tout à fait logique. Enfin, si ça passe. Ouais, forcément, ça va pousser ici. Je suis pas sûr que ça aime en fait l'eau. Je pense pas. Pas que ça va aimer l'eau en fait, donc bah tant pis, on va le faire à la bonne vieille méthode. Hein. Donc on va attendre que ça pousse, et du coup, bah je vais faire ce qu'il faut pour que ça passe nickel chrome. Ça, on peut foutre ça là-dedans, c'est pas trop un problème. Ça, on va le garder. Ça, on va le mettre là. Ça aussi, du coup, bah ça, on attend que ça pousse. La dust, on peut la mettre là pour obtenir de la redstone ici également. J'adore les trucs automatiques. Du coup, on était en train de faire la Hungry Dolls. Hungry Dolls. La Hungry Dolls. Donc, du coup, il faut de la redstone, la Netherwart. Donc, j'attendrai que ça pousse. Et en même temps, on obtient un petit peu ce qu'il nous faut. Donc, du coup, je reviens. Bon, re les gens. Bon, alors. Je suis allé dans. Justement, dans le Nether pour voir si je pouvais. Comment faire pousser la Netherwart, et je viens de regarder un petit peu les forums justement du créateur G4 qui disait que en fait elle ne pousse que dans des zones sombres, voire noires totales. Donc du coup j'ai bah, la cachette qui va bien, celle de Dead où j'ai failli crever, qui est justement de descendre au plus profond de soi, et comme c'est des dalles ça ne pop pas. Et du coup, de mettre de la Netherwart, bah comme ceci en fait. Hein, il faut dire ce qui est. Bah, je peux pas en pousser comme ça. C'est de la stone qui devient de la cobble. Que tu mets ça dessus. Que tu mets ça là. Et que tu mets ça là. Voilà. La plante est fertile et elle peut pousser normalement. Donc du coup, il faut attendre en fait qu'elle pousse normalement ici. Donc je pense du tout, du coup, je vais me faire comment? Une zone chez moi qui aura justement cette cave-là en fait qui fasse très sombre afin que je puisse faire évoluer justement la Netherwart. Bon bah ceci est pas fait encore, donc ça viendra juste après. J'ai fait les câbles. Alors de net, donc 800. Du coup, bah ça pousse hein, tranquillement et puis ça me récolte pas mal de choses. Nous, on va se laisser là. On va terminer ça plus tard. Du coup, parce que la Netherwart, elle va pas pousser tout de suite. Du coup, dans le prochain épisode, on va faire la doule. Donc je la crafterai, mais je la ferai pas planter pour que vous ayez la surprise que ce que ça fait, tout simplement. Et puis voilà, donc bah ça pousse 14%, donc ça arrive petit à petit. Je pense faire les petits croisements ici, par-ci, par-là, ou les faire directement là-haut. Donc du coup, moi je vous laisse. C'était épée du coup pour Agrarian Skies 2, et merci bien, et à la prochaine. Ciao tout le monde!